à la mission Aris, temple noué de Yopougon, représentation de la nativité. C'est Noël. Les fidèles aristes de ce quartier ont chanté sur des accents de joie et de félicité la naissance du Fils de Dieu. Jésus le Messie est descendu sur terre sous la forme d'un enfant dans le sein familial symbolisé par le couple Joseph-Marie. Une bonne nouvelle, longuement commentée dans le prêche du prédicateur principal à la lecture du livre de Saint-Luc au chapitre 2. Pour les chrétiens aristes, l'avènement du Fils de Dieu marque avec les hommes une alliance nouvelle. C'est une grande joie parce que le Christ est venu pour nous sauver. Le Christ est venu pour nous apporter la paix, le salut du monde. La bonne nouvelle qu'est la venue de Dieu parmi les hommes a été pour les aristes du temple Noé de Yopougon l'occasion de célébrer la famille. Les enfants qui sont justement le fruit de l'union de l'homme et la femme ont reçu des cadeaux sous le regard protecteur de leurs parents. Des parents enracinés dans la foi et pour qui la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, rappelle, pour paraphraser le père Jean Bozo Kwasi, recteur du grand séminaire d'Abagnankoute, que leur devoir est de sauvegarder l'éducation de nos enfants pour bâtir des sociétés plus humaines et plus harmonieuses.